I'm delighted to warmly welcome you all here today to witness the commissioning of our new 1.5 million metric tons per annum Dangote cement plant, built at the cost of $300 million, sited here in Imphila in the Republic of Congo. I interest you to know that in 2015 we commissioned our plants in four African countries, namely Ethiopia, Zambia, Cameroon and Tanzania. Our Congo-Brazzaville plant, which began operations in this last quarter of 2017, will be the fifth cement plant that will be inaugurating in the last 2 years. As a matter of fact, our total production capacity across Africa at the end of May 2017 stood at 45.8 million tons per annum, making us one of the biggest cement producers on the continent. Our aspiration is to actually rank among the 10 top cement producers in the world by 2020 when our other projects are completed. Dangote Cement, cette installation qui nous accueille aujourd'hui, est une industrie, une grande industrie, dans le contexte actuel du Congo. Elle est la plus grande cimenterie d'Afrique centrale. Avec son entrée en production, le Congo sera illico presto pays exportateur du ciment. À pleine capacité, je dis bien à pleine capacité, la production nationale en 2018 s'élèverait à 3 200 000 tonnes, dont à pleine capacité 2 millions de tonnes sorties de la présente usine, pour une demande nationale évaluée aujourd'hui à 1 200 000 tonnes. Le travail est en train de se passer à merveille avec nos chefs indiens et congolais. Tout marche bien. Sur le plan économique, c'est un grand pas dans l'économie du Congo. Et sur le plan de donner l'emploi aux jeunes, nous sommes contents parce que Dangote a donné 500 emplois directs aux jeunes et 250 emplois indirects. Et c'est au bénéfice des Congolais. C'est une bonne chose. Nous sommes très contents de ça. Oh, 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 oh.